un souci, espèce de bitch. Hop. Hop, et salut tout le monde, c'est Mustang, on se retrouve pour la suite de Darksiders 2. Je ne peux pas. Alors, on continue où on était, on avait toujours pas trouvé la deuxième, enfin on avait trouvé la deuxième pierre nodale, mais on cherchait comment y accéder. Donc hop, on continue notre exploration de ce temple. Comment fait-on? Alors, si on va sous l'eau... Si on va sous l'eau, on voit qu'il y a un gros caillou. On voit qu'ici... on peut pas y aller. Ok, donc je pense pas... Je pense pas que ça soit par là. Faut peut-être reprendre mon Gollum. Mais non, j'ai envie de changer. Donc on va reprendre ça. Je sais pas quoi faire avec ça, donc ça c'est pas ça. Peut-être prendre le golem. Est-ce qu'il peut passer la porte? Non, il peut pas passer la porte. Peut-être le foutre sur la plateforme bizarre. Si je fous mon golem là-dessus. Mets mon golem là-dessus et que j'actionne ça. Ah voilà, j'ai trouvé. Ok, d'accord. Ok, là j'ai eu un petit doute, mais fait non, je peux pas devoir aller la chercher. Ok, c'est bon, j'ai compris à quoi servait cette machine. En fait, c'est un concasseur de pierres et les pierres pétées rentrent dans les milieux du truc là. Et du coup, moi, vu que la boule est un peu trop lourde, ça a un peu tout flingué. Et maintenant, il suffit juste d'emmener la boule de l'autre côté. Hop, 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 hop. Allez, roule ma boule. Hop, on n'arrive pas du tout. Et voilà, donc là. Hop. Hop. Hop, on arrive de l'autre côté de la plateforme. Et arriverait-on enfin à la pierre? Oui, on arrive à la pierre. Putain, en fait, j'aurais pu continuer quelques minutes de plus du dernier épisode. Je pensais qu'en fait il y avait encore une salle à la con, un truc avec des mécanismes, et du coup j'ai préféré couper l'épisode, hein, que ça passe pas 30-35 minutes. Mais du coup on arrive à la deuxième pierre, alors c'est parti, il va falloir s'accrocher je pense, ouais. Attends, je m'occupe de ça. Où est-ce que je la mets? Dans ton... Et là, je vous laisse trouver le dernier mot. Et du coup, c'est parti. On va ramener la deuxième pierre. Et il va en rester qu'une.
Avec du bol, la dernière sera super facile à choper et on va pouvoir faire ça en... dans cet épisode, hein, parce que moi déjà je pensais choper les deux pierres en un épisode. Oula. Hop, ça tu vas te calmer. Hop. Boum. Allez, combo. Et voilà, un chien de glace en moins. Sale kleps, non mais oh. Là, je pense qu'ils vont nous faire chier tout le long de la route. Qu'est-ce qui se passe? L'eau monte. Ah ouais, ça fait comme avec la lave. Ok, il va falloir que je lui ouvre, je pense, parce que la porte est fermée. Ouais, c'est ça. Donc, il va falloir que je fasse le tour. Ce que j'avais fait tout à l'heure, enfin tout à l'heure, dans l'épisode d'avant. Hop, 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 hop. On descend. Faut se dépêcher, l'eau monte. Par contre, ça va sûrement refroidir la lave de l'autre côté du niveau. Ok, là on a l'eau qui commence à arriver. Par contre, l'eau d'ici, elle est un peu dégueulasse. Hein. L'eau qu'on avait dans le niveau précédent était un peu plus... Enfin, dans le niveau précédent, dans un des premiers niveaux, c'était le... je sais plus c'était quoi le nom du truc. Un des premiers donjons où l'eau était vraiment belle, hein, vraiment bleu, bleu azur. Allez. Et du coup, ça va se fermer, je vais essayer de faire le grand tour. Ah, le mec il aurait pu m'ouvrir quoi, avec un bras il tient la porte, avec l'autre il tire la pierre. Vraiment il fiote ce petit gros. Et on arrive pour la deuxième pierre. La vie s'écoule. Ok. Petite citation philosophique et du coup ça refroidit la lave. Ok, et deuxième pierre sur trois, donc c'est parti, allez on enchaîne, on perd pas de temps, maintenant on peut traverser. Hop, donc on a direct un golem, on va choper la troisième pierre du coup. Je vais t'aider. Par là il y a l'air d'avoir des tuyaux mais c'est bloqué. Pourquoi il y a un golem? Pourquoi il y a un golem? Ça doit être pour tout à l'heure, donc hop on s'en fout, on continue. Merci. Ah bah d'accord, c'est pour péter ça, fallait juste ouvrir la porte. Voilà. Je prends toute la thune. Et maintenant, on va activer... Hop, mon petit pote. Donc c'est bon, hein, tu sais pas que j'ai sacrifié un de tes amis tout à l'heure, hein, pour juste récupérer la boule. Alors, par là, ça descend, et ici, ça descend aussi. Ok, moi je pète tout. À bout de la monnaie, et ah bah, nickel. Moi qui voulais faire les trois pierres en un, mais par contre là, ça pue le boss. Alors, attendez, on va... Non, il veut pas péter. Ok, ça va tuer le boss, c'est sûr et certain. Moi, je pète tout ça. Je prends pas de risques. Rien à branler. Allez, on fait tout, même si ça sert à rien, on sait jamais, il y a peut-être des saloperies qui s'est sorti de là par la suite. Du coup, on fout Gollum là-dedans. On fout Gollum là-dedans. Et ça m'a activé. Ok, ça a dû m'ouvrir le passage qui était ici, ça devait être bloqué, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, d'accord, ok, c'était bloqué par ici.
Et c'est parti. Hop. Alors. Hop. Hop. Ok, j'ai pigé. Alors là, ça va être une phase assez chaude. Et on est revenu où il y avait de la lave. Voilà, faut que je fasse ça. Sur le côté. Tac, 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 tac. Hop. Tac, 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 tac. Hop. Allez, allez. Ouf, c'est bon, ça passe. Ça passe tranquille. Et on arrive direct à la pierre. Nickel. Comme ça, on aura fait les deux en un épisode. Celle-ci a l'air bizarre. Ah, elle est corrompue, celle-là. Protecteur corrompu, ça. Ça, merde. Oh, ah ouais, d'accord. Ah, attendez. Putain, je n'ai pas fait de dégâts, je n'ai fait aucun dégât. Bon. Hop. On esquive, on charge. Non, pas la tourmente. Ah putain, ça va encore, il fait pas que des dégâts. Allez, hop. Boum. Allez, je te fous de la terre. Doublé. Non. Esquive. Oula. Non. T'énerve pas. Non. Ok, c'est bon. Allez, couché. Couché. Brutus. Brutus, non. Non, ce n'est pas moi qui ai tué ton pote. En fait, ouais, il est vénère parce que j'ai tué son pote tout à l'heure, ça se comprend. Je sais que mon cheval ne passera pas. Hop. Voilà, tu dis. Ah ouais, allez, on charge, boum. Hop. Ça fait trop gros points, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Allez, on finit. Hop, une tête en moins. Par contre, merde. Ouh, spalier de ravageur. Ok, je l'ai pris sans faire exprès. Donc ça, ça va être dans... Ça va être ici. Hop, équipé. Ok. Par contre, ouais, je suis en train de remarquer que le... Résistance retrouvée... ouais, bah, on prend. Je suis en train de remarquer... Enfin, je l'ai remarqué tout à l'heure, mais la pierre est bien corrompue, du coup... Vu qu'en plus c'est la pierre qui va se greffer dans le cerveau du Goliath, ça pue, moi je pense que. Après toi. Je pense qu'il va être corrompu du coup, hein, il va pas faire ce qu'on veut. Enfin on va voir mais bon. Allez hop, on coupe en ligne droite. Et moi là je sens que ça pue grave. Tu dois insérer la pierre dans le Goliath. Tu as vu son œuvre, Dess. Elle transpire la corruption. Les deux autres pierres étaient pures. Je pense que leur éclat devrait purger la troisième. Peut-être. Karn, on risque plus en ne faisant rien. Ouais. Et du coup, il va se sacrifier. Ah non. La corruption a fondu comme neige au soleil. Ah non. Tu avais raison.
Non, j'avais tort. Ah ouais, c'est bon. Oh putain, on a fait tout ça pour rien, quoi. Ok, super. Traquer le Goliath. Ok, bon, c'est parti. Non, c'est pas par ici. Par contre, on va vérifier un truc. Par là où je vois, il y a un coffre que j'ai pas pris. On est d'accord. Là, c'est tout bon. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment on fait pour aller au niveau inférieur? Y. Non. Et bon, c'est pas grave. On va essayer de récupérer le coffre que j'ai pas pris par contre avant de sortir. Par ici je peux pas y aller. Ok, faut faire le tour. Vas-y, toi c'est bien, tu prends une pause ou. Peut-être lui parler par contre. Ah ouais. Qu'avons-nous fait? On va devoir se répartir les tâches. Tu prends le Goliath et je m'occupe des autres. Continue sans moi, cavalier. Ok, d'accord. Lui, il me lâche. Donc là, nous, on fasse le tour. Ah ouais, ok, je vois c'est quel coffre que j'avais pas eu. On va aller le prendre vite fait. Est-ce que je peux l'avoir d'ici? Oui, je peux. Voilà. Et du coup, on a un truc bien, donc j'ai bien fait d'aller là. Hop. Hop. Non. D'accord, fallait sauter avant le mur. Petit fail. Oh bah nickel, ça me ramène ici. Tant mieux. Petit raccourci en fait. La porte est fermée. Ouais, ok, on peut aller par ici. Je suis en train de me souvenir du chemin de retour. Hop, on grimpe. Elle a dû prendre son marteau, l'enculé. Il a pris son marteau, l'enculé. Géant. Par contre, il y a de la flotte maintenant. Ouais, on va pas aller voir, on sait jamais. Hein, si je me trompe, on va remonter. Allez, on se dépêche. On va devoir défoncer du Goliath. Oula, putain, c'est moi ou... Non, la montagne était déjà défoncée ou c'est lui qui est passé au-dessus et qui l'a défoncé? Je regarde si on le voit pas d'au loin, mais non. Alors lui, il va pas être très content du coup. À me dire. Alors tu as réussi. Secoue-toi. Tu as une tâche à remplir. Ah oui, maintenant je dois défoncer le gros machin, super.
je me suis cassé le cul pendant 3 épisodes à essayer de le remettre en route. Le machin me trahit. Alors, est-ce que t'as du nouveau matos, toi, tant qu'on est là? Le Goliath est déchaîné! Il est devenu fou! Et Eidard ne se doute de rien! Ok, acheter armure. Oh, Ravalus n'a pas chômé! J'ai de nouveaux objets! Ok, donc on va te vendre des trucs, par contre. Ça, on va garder, ça, on va garder. Ça... Valus en fera bon usage! Ça, on vend, ça, on vend... Voilà qui ira bien! Allez, du fric, du pognon... marteau spectral... Oh, mais j'ai pas vu que j'avais ça! Ok... ah non, merde, je suis con, ça c'est acheté. Acheté. Faux barbare. Oui. Valus en fera bon usage. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Voilà qui ira hop. Bien avec le reste. Allez, on vend tout. Valus en fera bon usage. Voilà qui ira. Valus en frappe. Et voilà, donc comme ça, on a de la thune. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va acheter? Hache barbare. 28 000. 223, 257. 228, 252, 228, 252. Dégâts d'embrasement 60. Dégâts perforants 22. Ou par coup critique, celui-là il a l'air pas mal. Allez, on va s'acheter ça. Merci bien, cavalier. Hop, dans les faux, qu'est-ce que t'as? Ok. Faux barbare de gel. 68 000. Putain, coûte de la chair celle-là. Ok, étoffe de nomade. Ok, là, t'as rien de spécial. Ok, on va attendre d'avoir plus de fric. Ok, toi tu parles toujours pas. Allez, moi j'ai envie de voir ce qu'il va faire comme dégâts. Ça tombe, il est corrompu, mais il va peut-être détruire la grosse plante dégueulasse. Ok, d'accord. Il a détruit la ville. L'enculé, il est passé par ici. Ça va quand même pour un golem qui fait je sais pas combien de tonnes, ça peut aller. Il a pas... Ah si, enfin... Ah si. Si quand même, il a détruit un peu la moitié de la montagne. Alors toi, qu'est-ce que tu racontes? Oula, tu t'es bastonné, ça? Non. Impossible. Le bâtard de pierre. Dites-moi où je peux le trouver. Rejoins les plaines à l'extérieur de la ville, vite! Eidard vous attend tous les deux. Entraînement, t'as pas des trucs sympas, toi? Fléau infernal, frappe sismique, LT tout en maintenant, plus Y, dead, fracasse violemment sa cible au sol plusieurs fois de site, et puis... On va prendre ça. Hop, on testera ça plus tard. Et on va aller voir à l'extérieur de la ville du coup. Ok, alors. Putain, il a pris son gros marteau de ouf. Ok, il y a le petit vieux qui va le défoncer en 1 contre 1. D'accord, il nous fait une prière mystique. Non. Ouh. Oh, il vient me défoncer le petit vieux. Ah non, ok, il était pas mort. Ok, il a fait une sorte de bouclier. Par la pierre, ça fait mal. Ok, il va mourir le petit vieux.
ne peux pas l'aider, cavalier. Détruis-le. Ok. Ok, ok. Alors là, on arrive direct. Oula, on arrive direct dans un combat épique. Donc attendez, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre devant. On va se mettre devant, voilà, hop, on met pause. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Je sais que c'est un peu pute, mais bon, ça fait 20 minutes et ça tombe, le combat va durer au moins 10 minutes. Donc moi, je préfère vous garder ça pour le prochain épisode. Mais vous savez que je vous aime, je fais pas ça pour vous faire chier. Donc je vous dis peace et à très bientôt, les amis.